nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Coucou YouTube, bienvenue dans le 120e épisode du Stealth Project. Nous devons donc aller à la Trinity Plaza pour y déloger les super mutants. Alors, en fait, je vois, enfin, moi, il y a un truc quand même qui me perturbe dans tout ça. Comment des colons à Sanctuary Hills peuvent être emmerdés par des super mutants de Trinity Plaza? Le truc, c'est qu'on sait comment fonctionnent les quêtes des miliciens. C'est que dans l'absolu, elles sont là pour vous faire découvrir les lieux que vous n'avez pas encore découverts. En vous envoyant comme ça, faire des quêtes ça et là. Si possible, dans des endroits qui ne sont pas au cœur de la quête principale, etc. Et du coup, ainsi, vous donnez l'XP de tous les lieux, vous permettre de découvrir toutes les figurines, tous les magazines, etc., etc. Le fait est que, bon, Trinity Plaza, je crois qu'on a déjà eu une quête là-bas. En tout cas, Trinity Tower, c'est sûr, mais Trinity Plaza, il me semble aussi, donc l'église à côté de Trinity Tower. Et qu'au-delà de ça, il faut quand même qu'il y ait une cohérence, un minimum. Quitte à me demander d'aller là-bas, tu prends la colonie la plus proche, en fait. Et salut Cryo, salut à toi. C'est ça qui me gêne un petit peu. Mais, dans l'absolu, je suis quand même content. On va peut-être même essayer de faire un kill sur un super mutant avec Pikman. Pour voir un petit peu les dégâts qu'on aurait avec Pikman. Mais je pense, enfin, mathématiquement, à mon sens, c'est du x12. Peut-être que je me plante, mais je pense que c'est du x12. Et alors, c'est vrai qu'on commence quand même à avoir des dégâts. Et j'ai pas beaucoup de force dans ce build. Mais t'imagines un build stealth corps à corps avec ninja à fond, blitz à fond, la force à fond, bah du coup l'agilité à fond pour être le plus furtif possible. Et des armes de corps à corps, et encore, on n'est pas dans les DLC. Donc, voilà, là, aujourd'hui, je pense que c'est Pikman la meilleure. Je pense, enfin, le bonus meurtre, je sais pas s'il existe. Sur, si on peut l'avoir sur, par exemple, un couteau de combat. Et si c'est le cas, c'est juste huge. Mais il y a moyen de dégager une synergie de ouf avec le buff de Deacon. Et c'est vrai que, enfin, le perk de Deacon, à aucun moment du Stealth Project j'y ai pensé. Peut-être au tout début quand j'écrivais le Stealth Project et je me suis dit ouais et tout, ça pourrait être sympa de faire ça, ça ou ça. Mais derrière ça m'est pas venu à l'esprit depuis. Et c'est vrai que c'est con parce que bah, ça pourrait être au cœur du truc quoi. Alors là c'est pas un let's play Cryo, c'est vraiment un gameplay basé sur un... Voilà, c'est juste un let's play en choisissant de faire un build furtif quoi. Mais c'est pas vraiment un let's play dans le sens où c'est pas ma première partie, où je connais l'histoire, enfin mes choix dans l'histoire étaient un peu prédéterminés par rapport au gameplay et au roleplay mélangé que je voulais pour mon personnage et tout, tu vois, donc on n'est pas vraiment sur un let's play en fait. Mais admettons, on peut dire que c'est un let's play. Par contre, j'ai plus de bouffe, moi. Ok. Ok, par contre, ça lag de ouf, là. Je sais pas pourquoi. La play qui commence à pas toujours à se moule. Et du coup là c'est l'épisode 120 donc si tu veux te faire plaisir t'en auras 119 à regarder sur YouTube. Enfin les épisodes 117, 118, 119 et 120 vont sortir dans les jours qui viennent puisque là on les a tournés ce soir en stream. Mais t'en as au moins 116 à regarder sur YouTube si ça te plaît. Thank you.
mais l'endurance par contre. Ah, faut vraiment que je prenne de l'endurance. Je sais même pas si on a déjà récupéré la figurine endurance ou pas. Des bouffes pour l'endu. On pourrait mettre des bouffes d'endu, mais là j'en ai pas sur moi et je trouve c'est un peu du gâchis pour juste courir, tu vois, dans la pampa comme ça quoi. Quand même des ressources qu'on a pas beaucoup, les steaks des corchards. Ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, on va plus être très loin. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc, c'est la place avec l'église ici, quoi. Je suis pas sûr qu'on l'ait faite, hein, mais. Ah ouais non, mais là je vais pas le tenter au Pigman, désolé. Mais je sais ce qui m'attend et vous allez le voir très vite en fait hein, ce qui m'attend. À la limite si lui je le down. Tu es là, quelque part. Six à la lame de Pikman maintenant. Donc ouais, c'est quand même solide. Hein. J'avoue que le perk de Deacon, il est quand même plutôt solide. 12,6, ça pique. Bon du coup ouais, en fait j'ai pas voulu jouer dès le début à Pikman. Pourquoi? Parce que bah, vous l'avez sans doute vu et je m'en suis rappelé en arrivant en fait. Le mec tout en haut, le premier qui a validé la quête, en fait le boss d'ici quoi, il avait un minigun. Voilà, donc c'est pas vraiment le genre de truc où t'as envie de dire ouais bah vas-y je vais tenter et tout. Si je me prends une rafale de minigun avec mon stuff, je me fais one shot. Donc pas forcément le bon bail. On va quand même explorer parce que je suis pas sûr en fait qu'on soit déjà venu ici. Même si je connais la zone, ça c'est évident. Mais... Ah si, s'il y a ça d'ouvert, c'est que je suis déjà venu, en plus j'ai pris un truc, je sais même pas ce que c'est. C'est ça que j'ai pris. Ça, faut vraiment que je les stocke mes calibres 38. J'ai vraiment pas besoin de les avoir sur moi, et ça me prend mine de rien... de la place, ça du poids. Mais ouais, ok. Voilà, nettoyage vite fait bien fait là. Et il voulait que je rentre par là. Ok. Ça proc sur tous les dégâts de type furtif. Oui, oui, totalement, Jerry. Totalement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins impressionnant de gagner 0,40 que de gagner 2,6, tu vois ce que je veux dire. Et... Par contre, je comprends pas pourquoi sur le triple hook, je suis passé à 5, je sais plus combien. Alors qu'avant il avait exactement le même multiplicateur. Minigun, je peux le récupérer. Alors très honnêtement, Will, vu le poids qu'il prend, je vois pas trop à quoi ça me servirait. Et
par contre, je me rends compte que j'ai pas du tout exploré le l'endroit où il était. Mais je pense qu'on est déjà venu. Et de toute façon, ici, il n'y a pas de figurine ou de magazine ou quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. Donc. Était chef faible. Strong content que lui plus là. Ah mais il est toujours là, Strong, en fait. Ok. Veut trouver l'aide aux tendresses humaines. On l'avait laissé là, Strong, en fait. Humains sont rigolos. D'accord. Un jour, super mutant. Est-ce que je vais quand même check s'il n'y a pas une figurine? Non, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une figurine. Tellement beaucoup d'humains. À la limite, pas beaucoup de je veux bien que j'en parle. Par exemple, Ice, parce qu'il aime bien ça. Regarde si y a une figurine à récupérer ou un magazine ou quoi ici. Et si c'est le cas, bah un jour en repassant ici, je viendrai la chercher. Mais normalement, il y a rien. Et on est reparti pour aller au sanctuaire. Putain, je me fais attaquer par des moustiques. Non, puis au-delà du poids, Will, je vois pas ce que j'en foutrais du minigun. Enfin, dans le Stealth Project. Puis en plus, enfin, quitte à prendre un minigun, s'il avait été légendaire ou quoi, bon, pourquoi pas. Mais là, mais avance, fils de l'oignon. Voilà. Non, je prends tellement la sauce sur les radiations. C'est un minigun qui tire des triple hooks. Bah en fait ça n'existe pas. Avec le brouillard, j'avoue que je me reconnais pas du tout là. Mais ils sont là. Il m'a mis une praline lui. Waouh. Oh, il y a un milicien qui est mort, je suis pas arrivé à temps. Les poches de sang, je suis un peu déçu du heal qu'elle procure. Mais où est-ce que je suis, bordel? Ok, donc on est bien à Lexington. Et Corvega, c'est là-bas, ok. En vrai, si on prend endurance,
pour avoir un peu d'endurance ou quoi. Je pense que je vais prendre le perk pour plus prendre de dégâts quand je vais dans l'eau. De dégâts de radiation. Parce que c'est juste trop chiant, quoi. Et oui, j'ai ri alors. Bon, pas forcément à cet épisode, parce que là, on a déjà pris beaucoup de temps pour faire l'aller-retour, et encore là, après, il faut retourner à l'allée du pendu, valider la quête, etc. Mais au moins, on aura clean up pas mal de quêtes pour les miliciens, même si, bon, on sait que c'est une quête infinie, hein, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, oui, la prochaine fois qu'on fait du Fallout en stream, on reprendra la quête principale. Fait. Et je pense qu'on arrivera bientôt au bout. Hein. Ce qui est dommage, c'est que au final, on est à presque 120 heures de jeu. Mais c'est beaucoup moins de gameplay que ce que j'ai pu faire en solo sur ma première partie dans le même temps, parce qu'il n'y a pas les déplacements rapides, quoi. Et j'imagine que ça commence à être chiant à regarder, en fait, même. Et là, tu vois, typiquement, ça fait 5 minutes, j'ai rien fait dans le jeu, quoi. Former un perk. Oui, non, mais on est d'accord. J'ai rien fait de palpitant. Mais bon, on est d'accord que les déplacements sont chiants, quoi. Perk ou pas perk, tu vois. En termes de poids, j'en suis où là? 280. 280 sans rat de serre. Donc je peux dépasser les 300, quoi. Combien de gameplay possible en plus du stealth? Bah déjà quasiment autant qu'il y a de bonus légendaires. Parce que tu peux totalement synergier autour d'un seul bonus légendaire, comme avec Sentinelle par exemple. J'aurais bien besoin d'une cigarette. Je sais pas, autant que tu veux, ouais, vraiment, enfin... Même, tu vois, stealth, t'as stealth sniper, stealth corps à corps, stealth SVAV, stealth blitz, enfin... T'as plein de choses, déjà, dans les gameplays furtifs, t'en as plusieurs types, tu vois ce que je veux dire, Will. Donc ton armure va être un petit peu la même, mais tes perks vont être différentes, tes armes vont être différentes et tout. Et du coup, bah... Ça change tout dans ta façon de jouer, tu vois. Limite, c'est un truc qu'on pourra peut-être faire pendant les DLC et tout, parce qu'on va, prendre beaucoup de niveaux avec les quêtes, donc on aura des perks à mettre. On pourra aller chercher d'autres points. Soit vous n'avez pas encore attaqué les super et mutants, on pourra se dire, ouais, bah du coup, peut-être qu'on met des points dans Blitz, ou des bats de baseball sympas, ou des choses comme ça, tu vois. Ça pourrait être une option. Donc, Ah non, c'est... En fait, la seule limite, c'est d'une part ta créativité,
Genre, vous savez quoi ? En théorie craft, qu'est-ce que tu déduis de ce que tu vois ? Nous deux, à genre tu t'as la liste des perks, t'as la liste des bonus légendaires, à toi de trouver des synergies entre tout ça pour trouver des gameplays mis en orbite par ton stuff et ton build. Et l'autre point c'est ta chance. Et là tu vois on a eu de la chance parce que très vite on a trouvé pas mal d'armes de coups, un sniper pour commencer, ensuite un sniper au radium et un sniper auto, enfin semi-auto au radium. Ça a bien aidé, même si les armes au radium on les a trouvées assez tard, on est d'accord. On a trouvé le hook avec le bonus meurtre. On a trouvé beaucoup de cuir intéressant, jusqu'à ce qu'on trouve même du cuir caméléon. Voilà. Donc ce qui est totalement cool, trouver du caméléon c'est très rare, hein. C'est un des bonus légendaires les plus rares du jeu. Et en plus sur du cuir, bah c'était totalement cool, tout simplement. Pourquoi j'ai eu 95 de cuir en dormant moi ? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary. C'était chelou. Hein. Donc en fait, enfin, ta chance joue aussi un rôle. Moi, dans le Stealth Project, j'étais vraiment en mode, je veux faire ça. Si pareil, j'ai pas de chance, ça va être chiant, mais je veux faire le Stealth Project. Tu vois ce que je veux dire ? Pour Harley Quinn, par exemple, ce sera beaucoup moins limité. C'est-à-dire que là, si on n'avait pas eu de caméléon, si on n'avait pas eu de bonus de coups, on aurait eu que nos perks en fait pour avoir le gameplay, et c'est pas fou parce que ça met beaucoup de temps à scale sur les perks. Et de toute façon on l'a vu, hein, à partir du moment où j'ai une ninja en full, beaucoup de furtivité et tout ça, mes dégâts se sont complètement envolés. Alors qu'avant on galérait de ouf même contre des pillards, maintenant c'est les seuls trucs contre lesquels on va vraiment galérer, c'est les scorpions, les démons de la rouille, parfois la confrérie de l'acier quand ils me surprennent. Ça peut être un peu les artilleurs, mais tu vois, c'est très peu. On n'est pas encore au DLC, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà. Enfin, les démons de la rouille, c'est du DLC. Donc, oui et non. Je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais, les mains déjà ? Je réfléchissais en même temps et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui donc Harley Quinn, tu vois, l'essentiel sera d'avoir des bonnes battes de baseball. Mais même si on n'a pas des battes de baseball de ouf ou des super masses de ouf ou quoi, il y a moyen de s'amuser. On peut jouer corps à corps, on peut jouer à distance avec des trucs genre explosion ou des armes genre fusil d'assaut ou des grenades tout simplement, des choses comme ça. Ok l'arme. Donc il y aura vraiment moyen, tu vois, de s'adapter en fonction de ce qu'on trouve. Au-delà de ça, au niveau du stuff, vu qu'elle jouera avec pas mal de force, pas mal d'endu, pas mal d'agilité, bah beaucoup de pièces de stuff seront bien et seront portables. Le poids sera pas vraiment un problème avec la force qu'elle aura. Donc on peut se permettre de prendre des armures assez lourdes. Pareil pour le poids rapport à la furtivité, on s'en fout parce que le but sera pas d'être furtif. Au contraire, je pense même que on jouera. Je pense qu'on va, on maxera l'agilité pour avoir le bonus d'enchaînement SVAV qui pourrait être très très sympa en blitz. Mais voilà, donc ça c'est du théoricraft que je ferai. Je me dis en fonction des drops, on peut partir là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et en fonction de ce qu'on aura comme item, bah, je dirais je vais plutôt d'abord monter ces perks ou monter ceux-là, tu vois. Et en fait, dans le set project, il y a eu un moment comme ça où, par rapport au plan entre guillemets que j'avais prévu, j'ai monté d'autres perks avant. En me disant ça va être pas mal. Genre par exemple Nyctalop, j'aurais très bien pu ne pas le monter ou pas aussitôt dans le jeu. Mais je me suis dit que bon, la vision nocturne on s'en bat les couilles, mais le bonus d'intelligence la nuit, bah ça me permettait d'aller scale et d'avoir du coup d'autres bonus plus facilement parce que je prendrais de l'XP plus facilement, tu vois. Et c'est con mais c'est un choix. Je me suis dit en ce moment j'ai pas de chance, je trouve pas beaucoup d'items qui m'avantagent ou quoi. Donc ce qui va faire la diff, c'est bah, des bonus de furtivité, de dégâts furtifs et de dégâts de fusil, de dégâts de pistolet, etc. C'est beaucoup de points dans beaucoup de branches différentes. Si je monte tout, je vais stuck à un moment donné. Alors que si je prends un truc qui booste mon XP, je vais plus facilement pouvoir survoler en fait ce moment un petit peu bâtard où j'ai des dégâts mais pas trop. Et si j'ai pas de chance, bah je peux pas améliorer par le stuff quoi. Donc c'est, tu vois, c'est de la réflexion de dire sur le coup ce qui me paraît le bon choix c'est ça. Je sais pas si ça a été le bon ou pas parce que j'ai eu de la chance assez vite après ça.
en trouvant de bonnes armes, de bonnes armures, jusqu'au caméléon et tout. Mais le fait est que si j'avais pas eu de chance, c'était clairement la chose à faire. Maintenant, vu que j'en ai eu, je sais pas, mais tu peux pas prévoir ta chance en fait. Donc, voilà. D'après votre explication, je me rends compte qu'il faut que je recommence là ton affichement davantage. Alors, pas forcément, Will, parce qu'une première partie en mode découverte, c'est toujours bien parce que ça te permet d'appréhender les mécaniques de jeu, les perks, de voir leurs effets et tout ça, tu vois. C'est comme dans Skyrim, enfin, The Elder Scrolls et Fallout, de toute façon, ça fonctionne avec les mêmes mécaniques en termes de Theorycraft, donc faire une partie pour découvrir, c'est jamais une mauvaise chose. Ah non, non, mais t'as pas du tout de gameplay, oui, là. C'est... Par exemple, tu vois, le gameplay chance, enfin, le perk, enfin, la branche chance, quoi, donc la branche luck de spécial, elle apporte pas un gameplay en particulier. Mais si tu trouves des armes qui synergisent avec les crits, si t'as un gameplay qui, parce qu'il t'offre beaucoup de points d'action, va te permettre de jouer beaucoup en SVAV, et du coup de synergiser un petit peu autour de tout ça, jouer chance, ça peut être pas mal. Au-delà de la chance générale qui va te permettre de drop de meilleurs items et tout ça, un build chance tu choisis jamais vraiment. À part si tu vraiment si tu veux vraiment faire un build chance, et ça arrive, tu vois, il y en a qui le font. J'ai neutralisé les super mutants. Globalement, les habitants de la colonie sont soulagés de ne plus avoir à s'en inquiéter. C'est génial. Les civils n'ont aucune chance contre les super mutants. C'est une réaction, la chance. Comme toujours, j'ai encore quelque chose pour vous. Je vais l'indiquer sur votre carte. Allez voir ce que les gens veulent. Ce serait bien de rallier d'autres colonies à notre base. On va voir où est-ce qu'ils vont nous envoyer. Et puis on va voir si on y va ou pas, sachant que là ce soir on va pas se relancer dans la quête principale. J'ai foncé tête baissée, j'ai rush pas mal de trucs, je peux pas fouiller la map sans réfléchir aux synergies. Ouais non mais après voilà, comme le dit Jerry, tu vois, est-ce que y a que le gameplay qui t'intéresse ou est-ce que le gameplay et le roleplay tu les veux ensemble comme on fait ici dans le Stealth Project? Un jour de plus dans le Commonwealth. Ou est-ce que justement, enfin tu veux vraiment du roleplay peu importe le gameplay? Par exemple si tu fais un build charisme, peu importe en fait ton gameplay. Ton gameplay va surtout être en dehors des fights. Tu vois, c'est pas un gameplay de gunfight. Le pousser à son paroxysme, le gameplay charisme, c'est dès que tu sors ton flingue, les mecs sont impressionnés et arrêtent de se battre et se battent contre leurs ennemis. Et toi, t'as une petite arme pour faire des dégâts quand même au cas où, tout en étant assez tanky et en ayant toute une armée pour te protéger. Voilà. Tu peux même passer un certain cap de charisme, faire ça avec les créatures. C'est-à-dire avoir un écorcheur qui va aller attaquer des ghouls, tu vois. C'est... Voilà. Du coup, là, t'es en mode peu importe ce que je loot, je m'en fous. Enfin, genre, la plupart ils prennent des armes un peu bourrines, genre le pistolet de Kellogg ou des trucs comme ça. Vous avez un parce que du coup, ça te garantit des gros dégâts, même sans perk qui augmente des dégâts en fait, tu vois. Voilà. Mais tous les builds sont bons, il n'y en a pas de meilleur que d'autres. C'est vraiment en fonction de ce qui te plaît, en fonction de ce que tu loot, en fonction de ce que t'as décidé de jouer, etc. Il faut qu'on retourne à la ferme des Avernati là. Non mais le jeu se fout un peu de notre gueule quand même, moi, je trouve. Donc on va pas la faire, au bout d'un moment il y en a marre. Au bout d'un moment il y en a marre. Vous savez quoi? On n'est pas loin de Diamond City. Donc je pense qu'on va aller à Diamond City. Je pense parce qu'au bout d'un moment, oui c'est reprendre entre guillemets la quête principale, donc c'est une mission pour pair. Est-ce que c'est notre quête principale? Pour moi la quête principale c'est l'espion sous terre. Et il faut que je continue à travailler avec Père pour pouvoir avancer dedans la quête principale. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que le reste là... On va aller à Diamond City. En plus on est tout prêt. Donc... Vraiment tout prêt pour le coup. On en voit déjà les couleurs et tout. Donc... On va à Diamond. Et puis voilà. Ouais, ça, le perk dont parle Jerry, quand tu fais un build charisme, il est hyper important. En fait, t'as une limite de poids si tu veux, Will. Mais à part si tu joues en survie, elle a pas de conséquences en fait. Elle ne va pas t'empêcher d'utiliser le déplacement rapide, elle va pas te faire de dégâts, elle va pas te ralentir, etc. Il y a des tas de boutiques. Donc, du coup, c'est pas mal quoi. Après ouais, il y a des perks de chance pour le recyclage, il y a des perks de craft, des perks de... Enfin t'as plein de trucs, des perks de récolte. Dans la branche chance, en fait, ça sert à un petit peu tous les types de gameplay. Voilà, en charisme, si vous voulez, on pourra en parler, je vous montrerai un petit peu... Enfin, en fait non, je vous montrerai pas, parce que je suis genre niveau, je sais plus, 120 dans la partie principale.
Donc j'ai des tas de points que j'ai pris parce que bah il faut bien que je prenne des points, mais ils me servent à rien par rapport au build charisme quoi. Bon allez, trêve de Theorycraft, on va partir sur la station de radio directement. Ne vous faites pas tuer bêtement. À Commonwealth Weaponry, nous sommes là pour garantir votre protection. Hey. Ne me parlez pas, ça pourrait attirer l'attention de quelqu'un. Mais elle va pas bien alors. Vous avez entendu parler de la bataille entre la confrérie et l'institut à Bunker Hill? Il paraît que des tas de gens se sont fait tuer. Ah ouais, non mais les possibilités sont ouf, oui là. Bon allez, on va à la radio. Mais pourquoi elle m'a aggro cette chouin là? Après, rein d'acier, je sais pas comment il marche en survie. Vous ne trouvez pas que mes émissions se sont améliorées? Je reçois beaucoup moins de plaintes. On embrasse Donald Reynou, hein, qui fait... Ronald Reynou qui fait, Donald ou Ronald? Qui fait la voix de Travis. Évidemment. Et du coup, on va mettre l'emplacement de l'équipe. Pas étonnant que ça n'émette pas à pleine puissance. Essayons ça. Je n'ai pas oublié ce que vous avez peut-être fait pour moi. Peut-être que ça va là. Allez, toi, tu rentres là. J'ai fait le truc tellement au pif. Ça n'a pas marché avec Scarlett. Mais c'est pas mal, hein. Oh, salut. Comment ça va? On est arrivé. Oh, salut. Comment ça va? Bah du coup on a fait ça. Si t'es pas encore porté du concours, c'est que celui que je voulais te proposer, c'est celui que je fais déjà. Mais y a pas de problème en fait, Jerry, tu peux me l'envoyer malgré tout. D'ailleurs on voit le moins ombre. Il y a eu très très peu de participation pour l'instant. Et en vrai, bah, je sais pas, c'est pas forcément des gens de ma commu, et très honnêtement, vous ça casse pas des briques. Que mes émissions se sont améliorées. Bon, en fait, là, y'a rien à faire, quoi. Je ressors et de... fin de l'histoire. On est d'accord là-dessus. Parler à père, ouais, c'est ça. Bah, du coup, non, mais on go à l'institut, du coup, hein. Ah putain, merde. Faut que je sorte. Je fais ça ce week-end. Mais voilà! Bah en fait, attends, ce week-end c'est quand? C'est la semaine prochaine le tirage, non? Bah oui, non, c'est mercredi le tirage. Donc je sais pas quand tu veux dire pour ce week-end, mais on est samedi soir, bon. Mais du coup, ouais, non, en fait, enfin, après, vu le peu de participation qu'il y a eu pour l'instant, j'hésite à le prolonger, tu vois. Et ça m'étonne un peu que, même au sein de la commune, il y a pas mal de gens qui jouent à Fallout, mais qui ont pas forcément les DLC et tout. Et qui n'ont pas forcément participé, donc ça m'étonne. Voilà. Je sais pas si t'as des DLC toi, Jerry. Mais voilà. Donc, du coup, je rappelle le jeu concours. Vous pouvez regarder l'épisode 100 sur YouTube pour voir bah, comment participer, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout ça. Et voilà. Et du coup, on est parti pour voir Père maintenant qu'on a installé l'émetteur avec tout le Commonwealth. Entend notre jolie voix, putain. Tu les as pas, mais voilà, j'arrive.
Donc raison de plus de participer. Pour participer. On va dans le réacteur de l'institut là vraiment. Là tu pourras avoir un triple ou déjà j'ai. Fouillons un peu. Il n'y a rien de fou là. Non, il n'y a rien de fou. C'est hyper bizarre qu'on soit là. C'est hyper glauque en vrai. Exactement, j'ai. Je regarde un petit peu les trucs qu'il pourrait y avoir. Là, quand je vois une combinaison stérile à capuche, je me dis que ça pue la merde pour moi là-bas. Un jour, je concevrai un réacteur plus efficace pour remplacer le vieux machin qu'on a au sous-sol. Malgré toutes nos technologies de pointe, nous sommes toujours incapables de soigner le rhume banal. Beaucoup d'entre nous auront du mal à accepter que quelqu'un d'extérieur prenne la tête de l'Institut. Bon courage. J'imagine que des félicitations sont de rigueur. Le meilleur moment de la journée, c'est quand je retrouve mes filles après le travail. Les gens ont la vie dure à la surface. J'ai de la chance d'être ici. Bon, vous êtes une belle bande de cons, tous dont vous êtes là. Votre petite visite de la grande ville s'est bien passée? Alors, c'est fait? Vous avez modifié l'émetteur? Tout est prêt ici. Où ça en est avec le réacteur? La première série de tests est terminée. Tout est normal. Donc, oui, je pense que nous sommes prêts. À vous l'honneur. Je vais crever ? Ferme la porte ! Pourquoi on ferme pas la porte ? Je me demande souvent ce que penseraient les fondateurs de l'Institut en voyant tout ce que nous avons accompli. Sean. Cet endroit est vraiment fantastique. Vous ne trouvez pas? Pas des masses, non. Mais c'est bon, ça va fermer la porte. Sean, bouge de là, non. Fiston. C'est presque difficile à croire. Après toutes ces années de dur labeur, nous y voilà enfin. Nous avons réussi. Rendez-vous. J'aurais bien aimé qu'il y ait une option pour le saboter, tu vois. Avec du recul, quoi. Qu'est-ce que l'Institut a prévu maintenant que le réacteur fonctionne? Nous allons y venir. Il reste encore beaucoup à faire avant que l'avenir de l'Institut ne soit complètement assuré. Le conseil d'administration a convenu d'une réunion afin d'en discuter. Je n'y assisterai pas. Mais vous, si, puisque vous me succédez. Ouais. Je suis pas sûr que ça m'enchante tout ça, moi. J'ai
J'espère vraiment que ça va vite arriver le moment où je peux trahir l'institut. Les énergétiques ont encore augmenté de 5% cette année. Dormir est une perte de temps. Je préférerais passer mes nuits à concevoir des émetteurs à plasma plus efficaces. Je m'excuse d'avance pour tous les désagréments que mon travail pourrait vous causer. On va assister à la réunion du conseil, on va être un tyran, histoire qu'ils nous détestent tous. Analyse de l'identité inconnue. Autorisation confirmée. X-688 avait l'air très impressionné par votre travail à Libertalia, et il ne se répand pas facilement en louange. Permettez-moi d'être la première à vous souhaiter la bienvenue. Nous avons hâte de travailler avec vous. Bah ça change du vieux croulant, hein. Et on va travailler sur quoi exactement ? J'allais dire baston avec moi. Normalement, le conseil passe en revue et approuve les recherches des différentes divisions. Cependant, notre réunion d'aujourd'hui a un but différent. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il est enfin temps de nous affirmer. N'exagérons rien, Justin. Je n'exagère pas. Nous sommes en position de riposter, de nous affirmer pour de bon. C'est de ça qu'on a toujours parlé. Je vais résumer pour vous. Comme vous le savez, il y a des groupuscules dans le Commonwealth qui s'opposent aux objectifs de l'Institut. Notre recteur va déjà nous permettre d'augmenter la production de synthétiques, mais il nous procure aussi une puissance sans précédent. Où est-ce que vous voulez en venir ? Quel est l'objectif de l'Institut ? Eh bien, le Conseil pense qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer notre sécurité sur le long terme. Ne tournons pas autour du pot. Le Conseil d'administration a décidé que la confrérie de l'acier devait être éliminée. Comme vous dirigerez bientôt l'Institut, on tenait à vous informer de cette décision pour savoir ce que vous en pensez. Ça, je suis pas contre. Alors, quelle est votre position ? Contre la confrérie de l'acier, moi je serais d'avis à frapper fort en fait. Mais ça pourrait aussi être chiant pour le réseau du rail. Moi je dirais qu'on attend de voir. On ne devrait pas attendre de voir ce qui se passe. Laissons aux gens le temps de digérer la nouvelle avant d'agir. Ce serait stupide. Ces deux organisations ont déjà clairement annoncé leurs intentions. Rester les bras croisés ne leur donnera que plus de temps pour se préparer. On est tous d'accord qu'il faut prendre des mesures. Comme vous êtes à notre tête, c'est à vous d'organiser nos efforts afin d'accomplir notre objectif. On aimerait avoir votre avis sur la direction à prendre. Faut-il augmenter la production de synthétiques ou privilégier le développement d'armes ? La production de synthétiques, je pense. Comme ça, on pourra les libérer. Quelles seraient les conséquences de ce choix ? Je veux prendre une décision en connaissance de cause. Eh bien, si on augmente la production de synthétiques, on pourrait en déployer davantage dans le Commonwealth pour faciliter nos opérations. Le développement d'armes permettrait d'améliorer notre arsenal actuel, ce qui rendrait nos synthétiques plus efficaces sur le terrain. Sur quoi préférez-vous qu'on se concentre ? C'est chiant quand même, hein ? J'hésite de ouf là, les bros, moi. Je sais pas. Là. Je vous avoue que j'hésite. Si tu fais plus de signes, tu donnes du boulot inutile au RDR. Ouais, c'est ça. Mais d'un côté, si je donne des armes, ils vont vouloir passer à l'offensive. Donc déjà c'est ça le problème quoi. Je sais pas, j'ai pas envie. En fait, je sais pas si ça a vraiment des conséquences et c'est ça ce dont j'ai peur quoi.
D'accord. Moi, je dirais on va fabriquer des synthétiques. Au pire, tu vois, des synthétiques non armés, on peut les libérer, on peut les reset, on peut... Voilà. Alors que les synthétiques armés, c'est le bordel, tu vois. Non, normalement, je pense pas, Jerry. C'est ce que je vérifiais aussi un peu, là. La plus grande force de l'Institut, ce sont les synthétiques. Plus on en aura, mieux ça vaudra. Bien parlé. Je veillerai à ce que les mesures nécessaires soient prises. Sachant que les synthétiques sont aussi mes alliés, dans le sens où il y a beaucoup de rebelles chez les synthétiques. Tout pour le moment. Il me semble que Père a dit qu'il souhaitait vous parler après la réunion. La direction de l'Institut est une lourde responsabilité. Ah bah voilà, on finit la quête, en fait. J'espère que vous vous en rendez compte. Mais je pense que c'est là le moment où... J'ai un message urgent de la part de Z114. Vos quartiers ont été inondés. Voilà. Excusez-moi. Bah tu vois, Z114 c'est mon synthétique Vos rebelle. Quartiers ont été inondés. Vos effets... Mon travail est de faire en sorte que j'ai un message urgent de la part de Z114. Okay. Vos quartiers ont été inondés. Vos effets personnels pourraient subir d'importants dégâts. Ah voilà, ok. Vous n'avez pas plus de détails ? Certaines de vos possessions venant de la surface sont menacées. Vous allez devoir faire vite si vous voulez les sauver. Okay, bon, afin d'éviter toute tragédie, allez voir Z114 sans perdre un instant. On y va. Oui mais attends, on y va pas... Bah Terminus, ça je m'en branle moi. Hop. Sauf que je sais pas à quel point il... L'unité X688 ne tape pas des loges. Et voilà. Donc là, on va pouvoir... On va se laisser là, d'ailleurs, je pense, le Vivuxel. Il est 23h12. Et donc pourquoi la prochaine fois... Pourquoi est-ce mis aussi longtemps à vous prévenir? Vous devez agir sans attendre. Ah ouais. La confrérie de l'acier a découvert où se cache le réseau du rail. Si ces ordures savent où on est... Je sais. J'espérais avoir un peu plus de temps pour organiser la rébellion. Mais il est clair que nous allons devoir agir au plus vite. Quand vous aurez averti le réseau du rail au sujet de la confrérie, dites-leur que nous sommes prêts à nous battre. Allez. Ok. Ok. Bon, ben voilà, ça y est, les choses bougent enfin. Ben voilà, on a bien fait. On a bien fait de finir là-dessus. Ça nous fait un petit stream qui se finit bien. On va tout simplement boire parce qu'on est déshydraté. J'aurais pas dû parce que je vais dormir. On va dormir pour se reposer, être en forme. Parce que là, je pense qu'il va falloir s'attaquer à la confrérie de l'acier. Et ensuite à l'Institut, certainement. Mais l'heure... Alors, je dirais pas l'heure de la trahison. Mais l'heure de la rébellion. L'heure où on tombe les masques. Ça, oui. En tout cas, la confrérie de l'acier, ça va être compliqué en build furtif. Parce que va y avoir beaucoup d'armure assistée. Beaucoup de focus et de choses comme ça. Donc, ça risque d'être des fights assez difficiles. On va voir comment ça va se passer. Mais quoi qu'il en soit, on va d'abord avertir Desdemona que ça vient. Puis on verra comment est-ce qu'on va se préparer avec le réseau du rail ou quoi. Mais ouais. Du coup, ça peut être assez compliqué. Et puis, on verra bien. Ce sur quoi ça nous amène ou non. En tout cas, c'était un épisode sympa, celui-ci, parce que même si on a fait un peu des allers-retours, des quêtes à la con et tout, on a repris la quête principale en fin de stream, mais avant ça, on a beaucoup parlé théorie build, perks, craft, armure, bonus légendaire et tout ça, et donc de ce point de vue-là, c'est cool. Voilà, en tout cas, je suis ravi, Will, de t'avoir éclairé et de pouvoir te donner une nouvelle perspective sur Fallout 4 et sur les Fallout en général, parce que à peu de différence près, le fonctionnement des perks c'est pas toujours le même, le fonctionnement des builds n'est pas toujours le même, etc. Mais globalement, ça repose sur les mêmes leviers, on va dire. Donc je suis ravi de t'avoir apporté un nouvel éclairage là-dessus. Et si ça en a profité à d'autres, c'est parfait également. Du coup, on va se laisser là, les Pibouxels, sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu aussi, ces petites discussions sur tout ça. Et puis j'espère que vous êtes en haleine pour savoir ce qui va se passer dans les quêtes à venir. Donc c'est vrai que moi c'est des quêtes que je n'ai pas faites. Donc voilà, là on arrive vraiment dans la partie où je vais découvrir le jeu, dans le sens où ces quêtes là en fait je les ai jamais faites, puisque ma première partie je n'étais pas avec le réseau du rail. J'ai longtemps été avec eux, mais à la fin j'ai fait des choix un petit peu cons qui m'ont mis dans une situation délicate. Voilà.
Donc, je vais vous faire des bisous les Bibooks et les YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur les streams pour vivre tout ça en direct. Généralement, c'est les mercredis soirs et les samedis soirs. Bien que la semaine prochaine, ce sera un petit peu exceptionnel, mais on verra comment on va s'arranger. Enfin, la semaine prochaine, en fait, c'est la semaine où vous regarderez ça, théoriquement. La semaine, voilà, du 9 mai, on va dire. Donc, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous YouTube. N'hésitez pas à venir, vous avez le lien vers ma chaîne Twitch dans la description, vers le planning de mes streams aussi. Et puis en attendant, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt YouTube. Ciao.